Avant de commencer cet avant-dernier épisode de Minecraft vous êtes offert saison 4, j'ai deux petites annonces slash propagande à faire. La première pour mon ami Knowledge Black Hole qui est crédité en remerciement à la fin des chroniques de l'explorateur. Il a ouvert un blog pour tous ceux qui connaissent Doctor Who, ça pourra vraiment vous intéresser. Il y a plein d'informations sur Gallifrey, sur Doctor Who, sur le background de la série et plein d'autres choses que je vous invite vraiment à aller voir. C'est très très documenté et vraiment impressionnant comme travail. Donc franchement allez y faire un tour, ça vaut le coup. C'est d'ailleurs lui qui a construit sur la version Pocket de Minecraft ce tardis que vous avez en illustration pendant que je fais ma propagande. Sinon, deuxième chose, on a ouvert une chaîne Twitch sur laquelle je suis pour l'instant seul à streamer, mais a priori The Creepy devrait le faire aussi. C'est là qu'on publie désormais les MC4 Live, donc je vous invite vraiment à vous tenir au courant et notamment à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ça. Et je vais laisser The Creepy finaliser un peu la propagande avec un petit lip-dub promotionnel que je vous laisse admirer immédiatement. Mais bref, vous êtes là pour Minecraft, vous êtes offert, c'est parti. Bonjour Minecrafters, ici CLB35 pour l'avant-dernier épisode de MVO4. Allez, on se rejoint tous à l'entrée. On va te rejoindre, et Spirit, franchement, bah faut utiliser un give avec... un slash enchant ou un slash give spécial. Non, il n'y a que le Notten of Time que tu peux... Non. Tu peux soit slash enchant. Tu connais pas. Hein. Bah, slash enchant, tu peux soit slash enchant, mais c'est problématique, c'est difficile à maîtriser comme commande. Non, pas du tout, c'est très simple à maîtriser. C'est juste non, mais quand tu pas connais au pas. Niveau supérieur que tu peux enchanter une game. Et par contre, c'est le système qui permet avec des arguments, ça s'appelle comment déjà. Ouais, ben c'est. Et après, tu peux faire un slash give avec des trucs spé, mais ça demande souvent un command block parce que la commande elle peut être très longue. Ouais, et puis c'est chiant à maîtriser. Mais bref. Ça, je le maîtrise parfaitement avec un générateur. Ah, on est tous quasiment full games en fait. Il y a que Spirit Wolf qui est un petit à poil. Tiens, Spirit, si tu veux, je te donne ça. Merde. Oups. Je crois que j'ai pris du fer. Je lui ai donné 11 lingots de fer. 11 blocs de fer. Ouais, ça aurait été ingrat sinon. Merde. 11 lingots. Et tiens, et parce que j'ai envie de me vider de mes poches, je te donne 2 pépites d'or. Tiens, 2 pépites d'or. 26 émeraudes et un bloc d'émeraude. Tu es riche maintenant, Spirit. Tu es riche. Tout le monde se vide de ses poches sur Spirit. Ah, attends, là, on est hop, con. Voilà. J'ai un bloc d'émeraude, je le mets où? Tu le donnes à Spirit. Dans ton... Tu iras le chercher. Là, il ira le chercher. On va dire qu'il est très bien ici. Donc, on avait dit qu'on ferait la course. Donc, Spirit, ramène-toi. Spirit, je sais où tu te caches. Fais pas le con, Spirit. Poule. Merde. Aïe. Allez. C'est moi qui ai l'arc le plus puissant, je m'en fous. Tu t'en fous. T'es un bâtard. Regardez ma flèche comme elle va loin, alors que j'ai tiré pile au-dessus de ma tête. Qui s'en fout? Oui, enfin, ouais. Pas pilote. Bref, on a un donjon à faire, nous, et c'est des coordonnées assez éloignées, donc on va s'y rendre immédiatement. Avec le speed. Merde. Ah oui, sans. Oh, je me suis pris ma propre flèche. Donc 5200, 3300. Ah, oh, que la rotten flèche, j'ai gardé, tu vois. Donnez-moi la rotten flèche. Ok, c'est par là-bas. Donc, on va se faire une course. Donnez-moi la rotten flèche. Donc, je vous mets tous au niveau d'égalité. 1, 2, 9. Non, le pire, c'est que j'avais vraiment 11 lingots de fer sur moi. C'est-à-dire que je pouvais lui donner les 11 lingots. Ne bougez pas trop maintenant. Watershock sur son bloc d'émeraude. Oh non. Oh, c'est la mort. Il nous faut un effet de résistance alors. Non, même pas besoin. Oh putain. Ils ont prévu ça. Ouais, ils ont prévu. Ouais. Oh, mais ça va être horrible. C'est par où? Allez, donc 5000. 200. C'est parti pour le 5200, on verra les autres après. Ok, c'est parti, on avance. Si on saute pas au dernier... Oh putain, j'ai réussi à mêler. Si on saute pas... Aïe de... Ah, Johnny Life. Si on n'utilise pas l'effet jump boost avant de tomber,
amorti. C'est-à-dire que si on tombe juste en courant, on n'est pas amorti. Il faut faire un saut avant de tomber. Sinon, t'es pas amorti. Ouais, regarde ma vie. C'est en 5000. C'est en 5000, 3000. J'utilise l'astuce du sprint sauté, tu sais. Oh non, la glace. Oui. Ah, mais moi, je cours en dessous de la glace. Moi, je cours sur la glace et ça marche très bien. Moi, je cours sur la glace et je suis 3 fois plus rapide que tout le monde. Putain, oh les plages. D'accord. Je. Oh putain, le saut que j'ai fait. Le saut que j'ai fait. Oui, et je sais pas si c'est normal, mais moi je suis face à un énorme mur. Et bah, ça, c'est que t'es allé dans la très mauvaise direction. Et pourtant, je suis en queue en 3. En fait, je crois que je suis en train de buter. C'est environ 5000-3000, je rappelle. Hein. 5200-3800. Je suis déjà sur la terre, moi. Allez, salut. Moi aussi. Là, je suis en 3800 dans la première coordonnée. Merde. Je suis en 3800. Moi, je garde la main sur. Ok, je viens de sauter, je viens de monter au tronc d'un mur. Oui, on est de plus en plus des Super Saiyans dans cette série, mais cherchez pas. Attends. Aïe! Je me TP à tout. Aïe! Non! Salut, mes copains! Alors, ça pose un léger souci par contre, c'est qu'il va falloir commencer le chemin, on va perdre! C'est. Merde! Putain! TP, vite! TP-toi! Ah bah, faut que j'aille manger, donc Ellipse. J'y serai avant vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Bien joué, Water. Fais mal! Je fais une ellipse. Ça. Tant pis pour un cours, c'est pour moi. Tu vas manger dans combien de temps? Bah, j'y vais maintenant. Allez. Oui, non, mais ça durera combien de temps à peu près? Allez, bonjour. Nous, on est au niveau du donjon. Légalement. Et là, on a creusé sous nos pieds, arrivé pas loin du donjon. Faut 72 d'eau. On a creusé sous nos pieds, pas loin du donjon, juste pour récupérer. De l'or. Pas les miner. Et moi je récupère de l'or parce que si il y a un fight final comme ça, je serai le seul à avoir notre chapel. Moi aussi je suis en train de miner de l'or. Dommage. Oh, je vais faire pour vous montrer ça rapidement chemin. Hein. Tu vas te rapper en 9. Hein. C'est le nombre en 9. Ah, chien. Le nom de mob qu'il y a pour le moment. De poésie, bonjour. le mec il a aucun respect pour lui-même. Alors, j'ai un ami qui est fan de Doctor Who. Non, je parle de fight avec toi, le squelette. Maintenant, il ne parle plus qu'en Gallifrey 1, maintenant qu'il a trouvé le moyen de qui de faire. De qui Knowledge Black Hole, c'est son pseudonyme. Et vous ne connaissez pas. Remember, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Non, je ne connais pas, effectivement. Il est cité en remerciement dans la première chronique de l'Explorateur. Et il le sera aussi dans la deuxième. Et probablement la troisième. Bon, bah, c'est LB, si tu veux, on te TP au donjon. Si tu veux, on te TP au donjon, là on n'y est pas, on est en dessous. Je génère des chunks, j'aime générer des chunks. Parce que j'ai 42 or là. Ben, moi j'en ai 41. 42. 43. Le problème c'est que j'ai pas envie de fight avec les zombies, les squelettes, etc. Mais moi non plus, je les ignore, j'en ai même pas en fait. Gros, j'ai tout moi, je te jure. J'ai croisé un squelette. Et là, je croise plus rien. Et je suis dans une galerie qui est extrêmement droite. Non, j'ai plus de poule. Non, mais pitié, cette galerie. Gros, j'ai un peu des squelettes, je te jure. Cette galerie là que je suis, c'est. Oh, j'ai retrouvé le donjon. T'as retrouvé le donjon, en même temps, c'est pas difficile vu sa taille. C'est quelle coordonnée déjà? 5200, 3300. Ok, je suis en 4000. Hein. Ça m'a fait peur. Quand y es, tu le dis qu'on se TP. Hop, parce que là on est dans les grottes pas loin du donjon alors. En fait maintenant il y a des creepers mais je m'en fous littéralement des creepers. C'est à dire que je suis en train de miner alors qu'il y a 3 creepers à côté de moi. En mode ils me pètent dessus, je perds même pas un demi-cœur. D'ailleurs tu veux une anecdote marrante? Oh, les anecdotes marrantes. Hier tu vois j'ai été tu vois je me suis créé une map comme ça. Oh, genre, je mine, je trouve une faille. Tu vois, j'explore la faille, devine ce que je trouve. Du diamant. Une faille. Ah, une faille, ça c'est. La faille. C'est. Ce qui est marrant, c'est. Alors, ça, c'est. On avait trouvé, il me semble, dans une saison de MVO, on avait réussi à trouver une double faille. Sauf que dans la double faille, quand tu allais au bout de la deuxième faille, tu trouvais une autre faille encore. Ah, non, mais ça. Wouah, gros, j'ai la mine d'or. Je crois que j'arrive à Lynn. Ben, moi, je suis. Ouais, il a du speed. Alice, là.
Oh, j'ai un... Voici l'île. J'ai un zombie sur un poulet. T'as combien de zombies? Bienvenue à l'île. Attends. Mais c'est mignon. Attends, ça. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai 52. C'est... Oh bon, salut. Merde, mais j'ai... Ah, j'ai 3 œufs de Norman. J'ai réussi mon M, j'ai réussi mon M. Si j'ai réussi tout à l'heure, tu peux demander à... T'es au donjon, c'est élevé. Ouais, il l'a réussi tout à l'heure en descendant dans les grottes. Ah, par contre, oui, j'aurais dû prendre... Justice, en plus. Du coup, Selvé, t'y es au donjon? Ouais, donc, ouais, bah je regarde s'il y a pas d'or. Attends juste d'avoir les 72. Bah ouais, on aimerait bien avoir 72 d'or chacun, moi j'en ai 64 là. Ah, c'est un stack et 8, non? Bah 72, c'est un stack et 8, ouais. C'est un stack et 8. Bah si je vais faire une addition, en théorie, ouais, c'est un stack et 8. Ouais. Là, il m'en manque 9, là. Bah là, il m'en manque 4. Yes, on va le faire, Joseph. Moi, je dis yes. Non, j'ai pas envie d'être ton ami le... Ok, du diams. Ah, ah, bordel de merde. CLB, lui, il trouve du diams. On cherche de l'or, lui, il trouve du diams. Alors, comment dire? Moi, je t'en fous, je suis full diams. Il y a la guerre civile, ici. Ah, t'as tous les mobs, CLB? T'as tous les mobs sur toi? Et moi, manque ça, en fait. Et non, mais moi, j'ai aucun mob. J'ai croisé... Les seuls mobs que j'ai croisés depuis que j'explore, c'est 3 creepers. Ouais, c'est bon, moi, je pense que j'ai fini, là. Ben là, il me reste 2 heures à trouver et je les ai en face de moi. J'ai un clip de Black M feat Kev Adams dans la trompe. Là, j'en... Ah, ben... Ah, bon, moi, mais CLB, c'est quand tu veux pour le donjon. Mais je suis dedans, là. Ben on se TP à toi. Et un or en plus, ça, c'est cadeau. Attends, je mine un peu de fer, aussi. Ça peut toujours servir. Ouais, moi, je mine... Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu prends, le mec? Bon, je suis en train de prendre 2 heures en plus parce que je fais toujours plus que toi. Allez, et parce que j'en ai rien à foutre, j'en trouve un troisième, un quatrième. Allez, 4 heures de plus. Je prends... Vas-y, moi je prends du fer. À la fin, on va se faire une bataille dans l'End et je vais tous vous buter à coup de knockback. Et bah, si tu fais ça, et bah. De toute façon, l'End, on le générera d'une manière très particulière pour atteindre. On le générera en snapshot. Putain, les spoils! Ouais. Ah ouais, le nouveau dragon! Le nouveau dragon que j'ai pas tellement suivi d'ailleurs. Je sais pas trop. Mais en fait, il est plus facile. Il est... Ouais. Ah, c'est ça, lui, ils ont réussi à le faire plus facile qu'actuellement. Mais non, mais fait, tu vois la plateforme. Il est plus facile à partir du moment où tu commences à fermer les pots. La tu vois la GG tu vois la genre de plateforme en bedrock qui apparaît quand tu tues le dragon. Ouais. En fait elle est déjà apparente quand tu... Oui, en gros, ça fait le principe de ce que j'avais fait dans MVO saison 3 pour la fin. Bah oui, mais oui. Ils sont autour et au centre tu as le portail qui est désactivé par contre en bedrock. Et le dragon. Et le dragon, il se trouve que lui, au bout d'un moment, il va commencer à venir de temps en temps au-dessus de cette plateforme. Voilà. Et du coup, tu le fâches, il est mort, quoi. Et si tu veux... Alors, certes, son souffle fait beaucoup de dégâts, mais si tu vas à 3 ou à 2 avec du force 2, sharpness 5, tu le défonces, le dragon. Putain. Mais je me suis dit, oh, ils vont élaborer le dragon et tout, ça va être plus compliqué, ça va être cool, il y aura du challenge au moins. Dans sa première phase, il est plus dur parce que du coup, il vole un peu plus, il stratège un peu plus dans sa première phase. Mais quand il passe en mode je vais au sol, c'est fini pour lui, quoi. Putain, il y a un peu d'équilibrage, merde. TP, please. J'ai genre 10 000 squelettes et 10 000 creepers. Mais moi, j'ai juste 3 Enderman, j'ai rien d'autre comme mob. Là, pour l'instant, il n'y a rien, a priori, dans cette salle d'aspirite. Hein. Ah, t'as combien d'or Je vais te le dire dans quelques instants. Je tue des Undermen, là, donc avec ma Looting Sword, pour avoir Mass Underpearl. Mass Underpearls. Motherfuckers. Allez, j'en ai 10. J'en ai 10 en 3 Undermen. Diams. Bon, t'en as combien? Attends. J'en ai un stack et 28. C'est la guerre civile. Putain, j'en ai un stack et 28. Bombe. Moi je continue d'explorer en fait les grottes. Alors, pour mon âme là c'est juste n'importe quoi. Non. À ce stade là c'est inhumain tellement il y en a. Priez pour mon âme, non. Putain, nap. J'ai un cœur et tout, j'ai qu'un cœur. Je crois que c'est parti pour le décès. Meurs. Je vais me retirer à l'ancienne. Bonjour toi. Ah ça y est, je commence à avoir 2-3 mobs.
Pendant que Selby, il a le donjon dans sa gueule, moi je suis en train d'explorer les grottes à la recherche. Rip. Allez, Selby meurt. Oh, oh, Spirit, non. Non, Spirit. Allez, Selby meurt, sérieux. Ouais. Et tu sais, là je suis devant un squelette avec un arc enchanté. J'ai tellement pas de respect que je prends ma looting sword en mode je suis devant lui, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est vrai que j'ai ma fortune. Ouais, mais ça fait à rien sur les blocs en bas. Ah, je suis bonise. Non, pas toi, pas vous. Fortune 1, ça sert à rien sur les minerais d'or. Je sais. Putain, mais elles vont buter un peu ces connes. Oh, sérieux. Tiens. Il y a Spirit encore dans le donjon. T'inquiète pas. Je vais mourir. Oh, salut. Oh oui, salvé. Hein. Moi, je suis dans les grottes. Vous êtes dans le donjon tous les trois. Salvé. Aide-moi. Moi, je suis dans les grottes. Moi, je m'occupe de moi et toi de toi. C'est. Splash. Please. Bon, je finis ma galerie là parce que j'ai l'impression que ça va se finir en c'est The Walking Dead. Attends, je vais poser mes minerais. Ah bordel de merde. Oh putain, oh, le paradis. Le paradis des minerais. Le paradis des mineurs en début de partie, mais le truc que tout le monde s'en fout en fin de partie, je suis dans un endroit où il y a tous les murs quasiment qui sont tapissés de fer. J'adore, je vais te spawn. Combien de zombies ici? 8000. C'est juste la guerre mondiale là. Non, c'est pour l'instant, pour l'instant, moi je m'approche des deux stacks d'or. Donner une feuille. Ça c'était dégueulasse. Ouais, je sais. Ah bah oui, mais comme la dernière fois, on fusionne le Wither, l'Under Dragon. Ben en fait c'était moi qui avait fait un système qui avait fait spawner les deux en même temps. Dans MVO3 je me souviens on était uniquement contre le dragon hein. Non, on a fait le MVO3, on a fait le Wither légalement à la normalement. Ouais. Et après moi j'avais voulu faire un système qui faisait spawner le Wither et l'Under Dragon en même temps dans l'Under. Mais au final le système avait à moitié bugué. Putain, j'y étais, sérieux. Vous faites chier tout autant que vous êtes. Et bien c'est vous voulez que je ramène des lits ou pas? Non. On mourra jamais tous en même temps. Ouais. Surtout moi en fait. Et bien Dieu. Ah bonjour vous. Vous êtes le genre du massacre hein. C'est un Games, ok, vous êtes. J'ai récupéré des centaines de coffres, mais pas une seule putain de. Bon, alors il me faut 16 or. Là, il me faut. Moi, je vais pas tarder à me TP. Il me faut 11 or de plus. 11 or de plus, et j'ai deux Notch Apple. C'est ça, là ? Ouais. Il me faut plus que 6 or de plus, et j'ai mes deux Notch Apple. Ah, je les ai pas, les 6 or de plus. Allez. Il me reste plus que un or à avoir. Oh bordel de merde. Un or et j'ai mes deux notes. J'ai deux cœurs. Un or, pitié que ça finisse pas en cul-de-sac sans que j'ai 7 or. Non. Bon bah. Okay. Je vais devoir espérer trouver de l'or dans le donjon. Parce qu'il me manque un or pour avoir mes deux notes chapel. Un or. YOLO. Pour tout le monde. Ah mais non, mais j'ai tapé un point. Non, mon épée. Du bordel de merde. C'est élevé. Oui, mais écoute, les mobs me font chier. Y'a trop de mobs. En fait, pendant que j'ai passé... Putain, j'ai quasiment plus d'un mois, fait chier. Vous êtes en train de galérer. On galère, mort, putain, aide-nous. Mais attends, j'arrive, je trouve un or. Ce que j'ai en face de moi, là, je suis en train de le récupérer. Hop, ça voilà, c'est le fait. Le souci qui se pose actuellement là, c'est que. Voilà. J'arrive, je vais me TP dans quelques secondes, je vérifie qu'il n'y a pas d'or ici. J'ai plus qu'un cœur et j'ai quasiment plus d'armure. Mon armure elle est presque full. Et pensez à bloquer les entrées que vous avez déjà visitées. Ouais. Super. Enfin, ouais, bon. Essaye, ouais. Hop, une carotte.
Putain, les bruitages de Blaze décollent tellement il y en a. Moi je bouffe des carottes en or et en fait ça marche bien, c'est efficace hein, les carottes en or. Moi je bouffe des gâteaux de petit neige. Alors désolé si j'ai un non roll, c'est pour pouvoir monter. Ah bah là il y a quelqu'un qui est passé. Hop. Voilà. Cette zone là. Ah bordel, non. Ok, ce donjon il est. 50 blades devant moi. Bien joué. Non. Chier, je dis tout en haut, il y a. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai une astuce. C'était quoi ça? Moi je m'enferme. C'était quoi ce truc? J'ai une astuce. Bah, fais un kill @ qui ne nous tue pas. Ouais. Waouh, la route de décès. Non mais je vais finir par m'étouffer dans du gravier parce que j'essaye de creuser pour arriver à l'étage au-dessus sans problème. Mais au final, ça sert à rien, ça marche pas. C'est voilà, pas c'est là-dedans que tu t'es tombé, c'est là qu'il y avait des centaines de blaze. Vous montez normalement avec les échelles et moi je monte, je mode en mode rien à foutre avec des blocs. Moi c'est pire que ça, c'est, que c'est ça là comme avec un saut. Non, oh, déjà, j'ai une belle vue sur les galeries. Et c'est avec des crochets et pas des accolades. Ensuite, c'est bah il faut le slash. Oula. Oh, ah c'est en plus vu que c'est le dernier donjon, t'as activé. Tu laisses le jeu en normal. Allez, c'est le dernier donjon, on laisse le jeu en normal. Ouais, c'est 207. C'est celui de la petite île. Ouais, et c'est le plus grand. Ça je peux te l'assurer. Ça je peux te l'assurer. Ça doit être le plus grand de tous. Hein. Non, c'est pas ça. Exactement. Ah, dommage que j'ai pas non plus quoi. Ok, il y a quelqu'un qui avait des bottes en cuir et un casque en cuir. Ok. Je vois bien ce Spirit. Allez. Sérieux. Je croyais qu'il y en avait que deux, mais il y en avait que 26. J'ai plus d'eau. C'est juste Spirit Wolf là. Spirit Wolf et Water Shock qui restent en bas en mode on attend que les autres meurent pour se reproduire. Ah le coucou le squelette qui voulait pousser dans le vide. Ouais. Oui oui. Panax. Oui. On est en train de faire le dernier donjon. Oh cool. Et je me mets à laguer. Ça y est, c'est la mort. Bonjour. En effet, ça part un steak. Alors actuellement c'est la mort. Ah et j'ai une pomme craftée, deux pommes en or. Deux notch. Purée. C'est la blade furie. Et je pose des feuilles à la place de poser des torches. C'est dans le donjon là. Ouais, ouais, je suis TP. On est t'es à qui le donjon? J'espère. Quoi? T'es dans le bon donjon? Oui, c'est TP à moi. Ah, mais je suis TP à Dungeoff. Je sais pas si Dungeoff est dans le bon donjon, mais. Ah, si, je suis avec eux, c'est moi. Je suis le premier arrivé alors. Comme arrivé, c'est quand même le dernier à être venu nous aider. Hein. Ouais. Mister Star va te faire mettre. Oh, en dehors, je vais mourir. Fais chier. GG. SLB bientôt les 100 morts hein. Surprise que ça joue Spirit et il y a deux. Oh c'est marrant, j'ai vu Spirit se faire harceler. Merde. Par deux. Salut SLB, ça va? Coucou là-haut, coucou le failer. Ah bah non, il a atterri dans l'eau. Bon, bah, non. Bonjour, c'est la merde, il y a beaucoup trop de mobs qu'on va pas là-dedans. Bonjour. Il y a beaucoup trop de mobs dans son compte. C'est exploré ici Fanax, c'est exploré. J'ai plus de blocs moi, donc ne me demandez pas de maîtriser les entrées déjà prises. Moi qui monte avec des blocs pendant que Fanax à côté monte avec des échelles. Ouais bah en fait mon inventaire est full de feuilles, alors avec quoi tu veux que je monte sinon? J'ai envie de me noyer moi. Je vais pas gaspiller les feuilles du sapin de Noël. C'est sacré le sapin de Noël. Ouais le sapin de Noël. Ce donjon est censé être le plus dur, oh, mais j'ai trouvé des salles.
que des mini salles quoi. Ouais, parce que c'est combien de en fait que sur des c'est le dernier, c'est ça. Ah, c'est ouais. L'ultime donjon du MV. Moi j'ai envie de mourir. C'est solennel. Bonjour les Blaze, je vais reculer et vous allez rien me faire. Ok. Pourquoi c'est noyé quoi. Ah oui. Un peu artisanal. Hop. Une astuce contre les Blaze. Oh, Blaze. Remplissez la salle d'eau. Ouais, bah oui. Oh, il a fait exprès. Bon, il a pas de souci alors. Je le rends. Effectivement. Allez. Parce que demain, quand on remplit la salle d'eau, ils peuvent plus t'enflammer. Mais en plus, ils prennent des dégâts dans l'eau. Ouais, ça gère. Ça gère. Ça gère la foule. J'ai survie dans les donjons parce que face aux Blaze, à chaque fois j'avais un solo. Bah non, j'espère que tu n'as pas survie. Hein. Et si j'ai survécu. Voilà. Tu n'as pas survécu du coup, t'as survécu. Les ordres 2 et 4 fois. Non, mais là, là en fait. Aïe. Bon, ça aïe. Y est, j'ai plus rien à faire. Bonjour. Merde. Ah non. Ils sont pas volés. C'est pas bonjour. 5 diamants. Là, petit bonjour. 5 diamants, là où il y a une bonne heure, je peux poser. Vous m'expliquez. Yes. Putain, par contre, j'ai plus de cœur. Salle. Il y a une torche posée dans une salle. J'ouvre le coffre de cette salle, 5 diamants. Vous m'expliquez ? Purée. C'est qui ? Bon. Empoisonnement, un cœur ennemi. Un cœur exploré ici, Spirit. Sauf ici. C'est quoi ce donjon, sérieux ? C'est le donjon du bordel, le donjon du chaos, le donjon de la mort, le donjon de la faim. Non, j'ai pas faim, j'ai plein de poulets. Non, mais de la... Ah, c'est toi qui as piqué tous les poulets ? Non, j'en ai juste pris un stack. Et ça rentre tout le coffre. Un stack que je conservais par sécurité. Ça m'énerve, on voit tellement pas à travers les toiles d'araignée qu'on est obligé de les casser pour sortir. Il y a peut-être une salle de l'autre côté. Ils se rendent compte, bah non, en fait, il y a rien. Cool. On est bien perdu notre venir en arrière. Ah, mais j'ai compris. Il y a des jolis pouvoirs. Il y a d'autres connes. C'est sérieux, c'est sérieux les Banner Fort 3 podcast là. Spirit, tu t'amuses c'est facile, c'est un job, c'est facile. Oh non, mais. Mais sérieusement, c'est quoi ces portes où il y a rien derrière ? Troisième fois. Bonjour. Mais du coup, moi aussi, j'utilise des techniques pas très saines. Oh, c'est attends, joli. C'est moi qui ai misclick l'émeraude. Recule, il y a un bloc derrière. Non, c'est quoi ça, ça c'est... Je non, rêve, yo, c'est un... Ouais. Je crois qu'on est... On est... Non ? Ah ouais, on est remonté au niveau des commandes blocs de distribution d'échelle. Et il y a des toiles d'araignée, il y a une salle. Il y a une... D'accord, c'est un petit peu... On est vachement au c'est un petit peu le bordel le plus total, hein, ce qu'on a trouvé là, avec Panax. Oh, cool. En plus, il y a des squelettes mélangés avec des araignées. Ouais. Bah, je vais mettre de la neige, tu vois. La mixité sociale, c'est bien. Très communiste, tout ça. Ah, ouais. Le communisme, le fin mot de la saison. Ouais. Même si le Front National l'a pas mal géré dans le game. Hein. Dans le monde de la MCK Team, c'est les communistes. Ah, bon, il n'y a pas de la... pas de la commande quelque part. Il peut être proche, oh, par contre il y a tous les squelettons du monde. Oh mais genre vraiment... Non mais genre c'est quoi ce chaos dans les toiles d'araignée? Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis, je sais pas si je suis vivant, je sais pas si je suis mort, je vois que des toiles d'araignées, merde! C'est des araignées qui se suivent. Moi j'utilise un ascenseur à eau à l'ancienne. Bah. Alors, l'astuce contre les toiles d'araignées. Je lag. Ah, c'est le donjon de l'anarchie. Putain, je y'a rien. Oh, j'ai plus de place dans mon disque! Non. Putain. Bon bah, LOL. Je vais mourir. Reprise du record avec Fanax, ça n'a aucun sens. Parfait. Personne n'a la clé pour l'instant. Par contre, j'ai donné un indice, c'est Ah mais on est sur la route de la clé là. Par contre, ça n'a plus aucun sens. Tous les squelettes sont tombés en bas. Ah, 60 FPS. Sur la route de la clé.
Et là, ma mémoire à cette tourelle est pourrie quand même. Oh purée, c'est beau. Mais j'en ai marre. J'en ai marre, je suis encore redescendu tout en bas. J'ai échappé au squelette, bon. Sauf que c'est plus... C'est plus que des jambières, aussi. Alors... C'est par où ? Laissez, là. Ouais, CLB n'est plus qu'à 5 morts du sang. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on bridge avec des blocs d'or maintenant? Parce que j'en ai plus rien à foutre. J'avoue, mais moi je bridge avec des feuilles. Un petit diaporama. Moi je fais ça dans FPS. L'homme poison homme qui va bien. Putain, ah, 60 FPS. Nous aura... Yes, yes. Celui-ci nous aura fait galérer. Hein. Ouais. Et pourtant je suis pas mort. Si, t'es mort. Je suis pas sûr. Ah non, pas dans celui-là, c'est celle-là. Ouais, c'est celui d'avant que je suis mort. Oh purée. C'est bien, c'est Spiritus qui prend tout l'aggro. Moi, dès que je prends moins de l'aggro, je perds 3/4 de ma life en fait, donc. Mais ouais, j'ai plus que des. Qui a envie d'avancer? Yo, un demi-coeur. Ouh, c'est chaud. Ah, les couilles. J'ai la clé et je m'en fous. Il a la clé? Merde. Jette la moi, CLB, je vais survivre. Je m'en fous, j'ai la clé dans mon inventaire. Et je m'en fous, j'ai le slash TP. Non. Non. Je vais rentrer à la maison. Bon bah voilà. T'as vu que Alex Rigor, c'est à lui que je vais donner l'honneur de reposer la clé. Non. Et t'as un job, t'es sérieux? MLG ma gueule. Oui, mais je me suis TP sur toi au moment où tu sautais. J'avais pas prévu ça, moi. Tu dois rire. Écoute, Fanax. Jaboule, je te file la clé. Tu peux la poser? Non. J'ai jamais posé, moi. Bah, en fait, d'un côté, Watershock, c'est vrai qu'il vient de rentrer dans la team. Ça doit être. Je l'ai pas eu en tout cas. Il laissait faire ça quand même. Bouhouhou. Aïe! Et moi, je dis, c'est. Ma caméra, je fais du 60. Regardez. Selby, regarde. Je suis là. En tout cas, vous voyez bien que les armures bug magnifiquement bien avec les shaders. C'est cool. Je suis là. Je suis descendu d'un bloc. Le Norman sur les blocs de slime. Y'a mort. Et la dernière clé. Mais la dernière clé. Mais la dernière clé. C'est pas. Voilà. Ouais. C'est pas le mien. Qui a la clé? Qui a volé la clé? Alors, attention. Aïe, voilà. Vidage d'inventaire, c'est parti. Hop. Comme vous voyez, je n'ai que des feuilles. On va enfin achever cette série. L'épisode final. Vidage d'inventaire sur Spirit Wolf parce qu'on en a l'habitude. C'est beau. C'est beau. J'ai plein de trucs à vider, perso. Et le feu d'artifice, s'il vous plaît. Ouais, non, mais le feu d'artifice est pas pressé. Ah. Oui. Ah. Et ben voilà, la clé est droppée et c'est magnifique. Personne. Voilà. Et moi, il y a l'eau à côté qui disparaît, l'eau qui... Ouais, moi aussi. La texture de l'eau qui est buggée. Et voilà, c'est la magnifique fin des donjons. Ouais. Et un peu de la série. Voilà. MBO4, on t'aimait. Ce n'est pas tout à fait fini, il reste encore un épisode et après ce sera FBO5, même si il faudra peut-être un petit mois et demi de préparation. Mais... Ouais, c'est pas pour tout de suite, moi. Enfin. Pas pour tout de suite. Eh bien, je vous remercie pour le montage de cet épisode l'avant-dernier, déjà, putain. Déjà, ouais. Donc, sur ce, je laisse l'honneur à Fanax. C'était Mister Fanax. Okay. Bip. Spoilers. Il le temps. Ah bah non, pas trop. Et oh putain, ça me donne faim là. Donc là c'est le manoir de Spirit, là c'est... Oh putain, ça c'est... Là tu voles littéralement un bloc de 10 diagrammes devant un... Normalement tu descends petit à petit. Normalement tu descends petit à petit. C'est bien ça? Tu descends bien petit à petit, Spirit, CLB. Je descends petit à petit, ouais.
Ah, moi, c'est le truc, je vais me cracher. Au secours. Ah, putain, heureusement qu'il y a glitch pour me faire perdre de. Je sais pas ce que. Je sais pas. Parce que. Moi, j'ai ma nuque sur mes. Enfin, sur mes armures. Voilà, évitation. Oh, sérieux. Sérieux, ils ont fait oui ça. Oui. C'est effectivement, c'est rigolo. Ça me permet de faire de prendre de la hauteur en fait. Hein? Je prends de la hauteur et puis après je suis droppé. Bon, je fais pas beaucoup de FPS. En gros, moi je pars de ma maison moi. Putain, 27 minutes, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ouais, effectivement la lévitation c'est pas mal. Ouh. Oui. Dieu que j'en sais. Ce rêve bleu. Oups. Je suis en train de chanter. Et par contre, si tu te prends l'arbre, c'est violent. Glitch parce qu'il est trop haut. Et où tu vois tout. Voilà, là, j'ai que j'ai. Putain! On sent un peu chiant la nuit. Oh bordel de merde. Là, c'est bon. C'était ridicule. Chez moi, j'ai. Alors, une chose que j'ai remarqué sur les boucliers, parce que je viens de vérifier.